Alors France Média Monde, c'est une société nationale de programmes français. Il y en a trois, hein. Il y a Radio France, France Télévisions. France Média Monde, c'est celle qui est chargée de l'action audiovisuelle internationale de la France. Elle est composée de trois médias. France 24, qui est une chaîne de télévision en français, en anglais, en arabe et bientôt en espagnol. RFI, qui est une chaîne qui est une radio en 14 langues. Le français, qui est dominant, mais beaucoup de langues étrangères. Et puis Monte Carlo d'Oualia, qui est une radio française, arabophone, très présente dans au Proche et Moyen-Orient. Donc tous ces médias-là sont présents dans 180 pays dans le monde. Ils sont sur les satellites, le câble, la TNT, le numérique, beaucoup. Et au total, ce sont 135 millions de personnes qui sont en contact avec un de nos médias dans une des langues chaque semaine. Et on ne mesure cela que dans un tiers des pays où nous sommes présents. Donc ça laisse penser qu'on est beaucoup plus encore important en termes d'impact. Et surtout qu'on ne mesure pas les chambres d'hôtel, qu'on ne mesure pas les aéroports, les avions, tous ces lieux de mobilité où nos médias sont justement présents. Eh bien, il me semble que la France a cette chance d'avoir une société de la diversité et que beaucoup d'entre nous, si on remonte dans le temps, viennent d'un autre pays et que parmi ces pays, il y a beaucoup de pays de la francophonie. C'est pas mon cas par exemple parce que j'ai une mère italienne et que je m'appelle Saragosse, donc je suis un peu plutôt... Mais je suis quand même née en Algérie. Donc je crois que la francophonie, c'est une façon de se sentir français ici parce qu'on est dans une famille plus grande qui en partage une langue très importante. Je constate que dans les banlieues, il y a des initiatives extrêmement fortes autour de la langue française. Notamment, j'ai vu à voix haute un documentaire merveilleux et j'ai été membre du jury d'Eloquentia Nanterre et j'ai vu des jeunes gens brillantissimes utiliser avec une maestria incroyable le français. J'ai vu d'ailleurs des jeunes avocats se mobiliser pour les aider à être plus éloquents. Et j'ai eu le sentiment que la langue française était tout d'un coup défendue par Saint-Denis et Nanterre, et ça m'a fait très plaisir. Dans le domaine du rap, il y a plein d'initiatives, des musiques urbaines. Or, c'est un langage universel, et on se répond de Paris à Abidjan. Donc je pense que ça crée des liens entre tous ces jeunes. Il va y avoir les Jeux de la francophonie, il y aura une équipe de France. Je pense que ça doit être une fierté pour tous les jeunes français de participer à cette aventure. Je crois que ça contribuerait à du respect, de l'affection, de la cohésion sociale en somme. Et c'est pour ça qu'on a aussi lancé une émission qui s'appelle Pas de quartier avec France 24. Parce qu'il y a des jeunes qui en avaient marre d'être caricaturés. Et donc on leur a dit, tu veux le sujet, c'est ça. Ok, tiens, voilà la caméra, on t'encadre et c'est toi qui choisis. Et ça nous présente comme par hasard une autre histoire. Et je pense que les Français ont besoin de cette histoire. Et il faut arrêter les caricatures et les simplifications. Il ne faut pas laisser les méchants gagner non plus, c'est-à-dire ceux qui racontent éventuellement, qui essayent dans nos banlieues d'aller recruter des jeunes pour les amener à participer à des actes terroristes. Il ne faut pas laisser faire ça, parce qu'on peut être fragile quand on est jeune et il faut se sentir soutenu et solidaire dans la nation. Bien parce qu'une langue n'est jamais un simple outil de communication. Une langue est porteuse d'une histoire, elle est porteuse... En fait, c'est une façon de découper le monde pour le nommer. Alors, c'est pour ça que chaque langue est précieuse. Moi, j'aime toutes les langues. C'est une passion et la traduction et tout ça, j'adore. Mais la langue française, elle a une histoire. Elle est héritière des Lumières. Elle est héritière de la Déclaration des droits de l'homme, même si ce mot parfois m'exaspère parce que je suis une femme et que j'aimerais bien qu'on dise des droits humains, mais bon. Donc elle a conduit des luttes. Quand les Tunisiens se révoltent, ils disent « dégage ». Quand John Kerry veut saluer la France, il dit en français après janvier 2015, il dit « c'est le pays qui a inventé la liberté », il le dit en français. Donc je crois que cette langue a ce génie. En plus, elle est parlée sur les 5 continents, elle compte de nombreux locuteurs, elle est souvent la deuxième langue enseignée. Donc ces valeurs qu'elle porte, ce rapport à la liberté, à la démocratie, à l'égalité, peut-être à la fraternité, je crois que ça définit un mode de vie, et même à l'art de vivre, tout simplement. On sait que la France, elle a un rapport à l'art de vivre, à la cuisine qui fait partie du patrimoine de l'humanité à l'UNESCO. Hein. La culture, tout ça, pour nous, c'est dans nos gènes, la liberté, la culture. Et donc ce modèle-là, c'est un mode de... Pour moi, il est civilisationnel
Et je crois qu'on a besoin de le... Je ne sais pas s'il faut le défendre, mais en tout cas de le faire rayonner.